Ouais les gars, je suis très content de bien commencer mon premier journal Coupe du Monde. Ouais, je suis très content car hier on a battu la Nouvelle-Zélande. La France a battu la Nouvelle-Zélande. Ah, la régie, elle veut m'appeler. Elle veut me dire un truc. Quoi? Qu'est-ce que vous avez la régie? En foot? Non, c'est pas du foot, c'est du rugby. La Nouvelle-Zélande, France-Nouvelle-Zélande, c'est un peu un France-Brésil au rugby, c'est pareil. Donc, on les a battus sur le score de 27 à 14. Ça a été très dur. En première mi-temps, on a été dominé dans tous les compartiments du jeu. On n'a pas beaucoup touché le ballon. Mais voilà, à la mi-temps, on va mener 9 à 8. Et en seconde mi-temps, on va recommencer sur les mêmes bases. Voilà, ils vont marquer un essai, la Nouvelle-Zélande. Mais on va savoir se remobiliser pour revenir au score. On a vu une entrée de Pato Movaca assez tôt dans ce match à la place de Julien Marchand qui s'est fait mal à la cuisse. J'espère pour lui que c'est pas trop grave. On a vu une entrée de Tao Fufenua en seconde ligne assez intéressante. Une entrée de Malvin Jamin assez intéressante. Donc voilà, la France qui, ben tout de même, qui fait un bon pas pour la qualification, qui s'impose 27-14 face à la Nouvelle-Zélande. On les a battus en un an deux fois. Donc voilà, c'est très très bien. On les avait battus l'an dernier aussi. Donc, on va toujours rester dans le groupe de la France. On va s'intéresser au match qu'il y a eu entre l'Italie et la Libye. Voilà, l'Italie qui s'est imposée 62 à 8. Donc voilà. Franchement, Libye a produit beaucoup de jeux, rugbystiquement parlant. Ils ont produit beaucoup de jeux, ils ont fait du très très beau jeu. Donc voilà, c'était un très très beau match à regarder. J'ai pris plaisir à vraiment à le regarder. Donc voilà, mais bon, ils n'ont pas pu trop inquiéter l'Italie. L'Italie qui s'impose 62 à 8. Donc c'est bien. C'est bien pour eux, mais je pense pas qu'ils vont sortir de poule. Il y a la Nouvelle-Zélande, il y a la France. Donc voilà. Aussi, j'ai suivi le match Irlande-Roumanie. L'Irlande, première nation mondiale. Bon, ça, je comprendrai pas. Ils ont jamais gagné de Coupe du Monde. Ils n'ont jamais été en derrière carré de Coupe du Monde. Donc voilà. Ils ont gagné 83 à 8. Donc. Là aussi, pareil, ils ont dominé les débats. Mais la Roumanie, franchement, qui a envoyé du jeu, c'était. Ils ont fait de très très bons. De très très jolis lancements de jeu. Ils ont marqué un magnifique essai. Donc voilà. L'Irlande qui s'est imposée. C'est logique, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais bon, dans la poule B, ils sont pas sortis de l'auberge. J'ai l'Afrique du Sud. Dans leur poule, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Ils ont l'Afrique du Sud et le Pays de Galles et les Fidji. Donc, voilà. Je vous fais cette vidéo. Vous avez Australie-Géorgie. L'Australie qui mène 18 à 3 face à la Géorgie. C'est logique. Hein. L'Australie, très très belle équipe. Ils l'ont montré face à la France. Et qui pourrait aller loin dans cette compétition. Donc voilà. Et ils devraient sortir facilement de leur groupe. Et ce soir, vous avez un match très pertinent, très joli à regarder pour les connaisseurs de rugby, Argentine-Angleterre. Donc voilà. Je vous ai donné les résultats de la journée. Voilà. Et si toi aussi t'as pas le temps de suivre cette Coupe du Monde de rugby, t'es sur la bonne chaîne. Je te parle des débriefs de l'USAP et des débriefs du Barça, de l'actu du Barça. Mais avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous dire quelque chose. Voilà. Les gars, arrêtez de venir me contacter sur mon Instagram.
contacte-moi sur l'Instagram de la chaîne et arrêtez d'envoyer des messages concernant les cartes PSN. Les cartes PSN, ça marche comme ça. Quand on atteint des paliers d'abonnés, là on est à 955. Si on arrive à 970, il y en aura une. Et quand la vidéo sortira, si on a franchi les 970, il y en aura une à 980. Voilà, et c'est le premier. Dès que moi je mets la carte PSN sur la chaîne, ça part en demi seconde. C'est le premier qui a, dès que moi je la mets, dès que le premier voit la vidéo que je mets, prend le code, il la met, il me dit en commentaire qui l'a mis, il la prend. Voilà, ça marche comme ça. Arrêtez de venir réclamer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, rajoutez-moi cet Instagram. Vous pouvez venir, bien sûr, me parler, me dire ce que vous avez à me dire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Mais voilà. Ok? Je vous invite tout de même à partager cette vidéo, à la liker, à me lâcher des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien.